Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de critique où je vais critiquer aujourd'hui un super film. C'est Irréversible. La lumière est pourrie, le son est pourri, mais on s'en fout, on y va. Irréversible, c'est un film irréversible. Ça commence par la fin. On se retrouve dans un club qui s'appelle le Rectum, c'est drôle. Et là, ça fait tourner la tête, on sait pas ce qui se passe. Et un mec se fait massacrer avec un marteau ou je sais plus quoi. C'est dégueulasse. Il massacre le mec avec un extincteur. Sa tête, on voit sa tête gicler, du sang partout, partout, partout. Vincent Cassel, il est fou, il tue un homme comme ça. Et puis après, il part en courant. Il court très très vite, il court. On revient avant, il y a des choses horribles qui se passent. Le métro. Oh, la scène du métro. Mais quoi? Pourquoi? J'ai déjà la tête qui tourne. Vous voulez me la faire exploser ou quoi? Oh, merci pour ce chef-d'œuvre. Ah, après cette scène, ils se retrouvent à une fête. Et après, ils prennent le métro. Et la fin, c'est ça la fin. Comme ça. Sur de la musique classique, irréversible, bienvenue dans mon monde. Gaspard Noé, je n'ai jamais pu analyser et comprendre ton film. Mais quel est le but? Pourquoi? Je t'en veux. Bon, je me remets de mes émotions avec une petite Heineken qui sponsorise ma chaîne. Et c'est quand même un bon film. C'est un film quand même intéressant d'un point de vue technique, vu que chaque séquence est filmée en plan séquence, et que chaque séquence est la séquence qui précède l'autre suivant la narration. Donc la fin est en fait le début. Elle a un bébé, Monica Bellucci. On la prend à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne, toi qui me regardes, mets un petit pouce vers le haut, abonne-toi et je ne ferai peut-être pas que des critiques de films, je ferai aussi des films et je ferai plein de choses. Vous allez voir. À la prochaine et merci d'avoir regardé ma petite vidéo.